Hello, hello, bah, ravi de vous retrouver. Regardez, on parle souvent de temps. Il y en a un qui se pose pas trop de questions. Il est là. Lui, il n'a pas trop de problème avec sa gestion du temps. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très très courte. Ça compensera un peu celles qui sont un petit peu plus longues. Je voulais vous parler d'un point très très important en termes d'organisation, en termes de gestion du temps. C'est le temps productif et le temps improductif. Il est vraiment important de prendre ces notions en compte. Et surtout si vous avez un objectif business. Il est vrai que si vous êtes sur un objectif perso, c'est peut-être moins le cas. Et encore que ce soit sportif ou autre, il y a toujours une notion de temps productif et improductif. Et ça, c'est vraiment un danger qui nous guette énormément parce que très souvent, quand il y a quelque chose qui nous fait un petit peu peur ou quelque chose qu'on a un petit peu moins envie de faire ou qui nous challenge davantage, on va avoir tendance à se tourner vers les tâches improductive. Et ça, c'est un vrai, entre guillemets, fléau, dans la mesure où ça ne fait pas avancer les choses. Ce qu'il faut bien distinguer dans les tâches que vous allez avoir à faire, dans vos objectifs, dans tout ce que vous allez mettre en place, c'est ce temps productif et ce temps improductif. Qu'est-ce que j'appelle temps productif et temps improductif? Le temps productif, c'est le temps qui va produire des résultats, des choses qui vont vous permettre d'avancer vers votre objectif. Le temps improductif, c'est le temps que vous allez passer, par exemple, à écouter une formation, à créer, je ne sais pas moi, des documents, imprimer des papiers, toutes ces choses qui... Alors, je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires, bien entendu, elles le sont. Mais attention à ne pas tomber dans le piège d'avoir l'impression d'avoir passé 2 heures que vous aviez planifiées pour aujourd'hui, pour faire des choses et atteindre votre objectif. Et à n'avoir fait que des tâches improductives. Ça, c'est vraiment essentiel. Je vous mettrai un petit tableau qui vous permettra de faire un petit récap de vos tâches, de noter, c'est l'exercice que je vous demanderai de faire pour aujourd'hui, c'est noter dans 2 colonnes tout ce que dans vos tâches à réaliser, tout ce qui va être productif et tout ce qui va être improductif. Je vous donne par exemple un exemple tout simple. Admettons par exemple que votre objectif ce soit d'acheter un bien immobilier. Eh bien, vous pouvez passer des heures à écouter des formations sur l'immobilier, lire des documents sur la fiscalité par exemple. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont nécessaires, bien évidemment. Les recherches que vous allez faire, alors les recherches, c'est pas improductif en soi, mais si vous faites des recherches et que vous ne mettez pas des biens, par exemple, dans vos favoris, si vous ne les enregistrez pas, si vous ne passez pas de coup de fil aux agences, par exemple, ou aux particuliers, pour aller visiter ce bien, etc., etc., c'est du temps improductif. Le temps productif, c'est justement quand vous allez prendre votre téléphone, que vous allez appeler, que vous allez mettre en place un rendez-vous pour aller faire une visite, les visites que vous allez faire, le moment où vous allez contacter la banque, le moment où vous allez prendre le rendez-vous, les offres que vous allez faire. Donc ça, c'est du temps productif. Mais le temps où vous êtes en train de faire de la paperasse, regarder des choses à droite à gauche ou flâner entre guillemets sur Internet, c'est pas que c'est pas utile, c'est que ce n'est pas productif. Et vous devez vraiment partager votre temps entre le temps productif et improductif. C'est-à-dire que posez-vous la question chaque jour de savoir si vous avez passer du temps qui vous a fait avancer vers votre objectif. C'est-à-dire que faire une recherche d'un bien immobilier, c'est du temps improductif, ça ne vous fait pas avancer vers votre objectif. Vous avez fait une recherche, très bien, mais ça vous a pas fait avancer vers quelque chose. Par contre, si vous avez pris votre téléphone et que vous avez fixé 3 rendez-vous pour faire des visites, alors là, vous avez fait avancer les choses. Et puis une fois que vous faites des visites, vous allez avancer, etc., etc. D'accord? Pareil, quand vous allez préparer une offre, bien sûr, il va falloir préparer un dossier, par exemple pour la banque, mais même pour faire une offre, bah ça va, il va y avoir du temps improductif, du temps administratif, si vous voulez. Ça, il va falloir le passer, ce temps-là. Mais si vous n'avez fait que ça dans votre journée, bah, c'est dommage. L'idée, c'est de pouvoir avoir fait ça, plus quelque chose de productif. Franchement, vous avancerez beaucoup plus vite si dans vos journées, dans vos actions, vous partagez le temps entre les actions productives et les actions improductives. Et c'est très important pour la gestion de votre emploi du temps, tout simplement parce que les actions improductives peuvent être faites à des moments où les actions productives ne peuvent pas être faites. C'est-à-dire que par exemple, passer des coups de fil, bah, il y a des heures dans la journée à faire des visites, il y a des heures dans la journée à faire. Mais c'est la même chose pour le business, hein. Quelqu'un qui développe un business, bah, voilà, il y a des temps de formation, il y a des temps... Bon tout, mais quand vous allez chercher des clients pour développer votre activité, bah, ça c'est du temps productif. À combien de personnes vous allez parler par jour de ce que vous avez à proposer? Ça, c'est du temps productif. Mais le temps que vous allez passer à recréer votre site internet, c'est du temps improductif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est du temps que vous pouvez prendre sur des moments, ben, le soir, le matin tôt, le week-end, quand vous ne voulez pas déranger les autres personnes. Bon, voilà, ça, c'est du temps que vous devez prendre et que vous devez planifier. En priorité, il faut mettre votre temps productif dans votre agenda. Et Ce que je vais vous proposer par la suite sera de faire un planning et de noter votre temps. Donc le temps que vous avez d'incompressible, celui qui vous, sur lequel vous ne pouvez pas changer, hein, les choses que, par exemple, si vous avez un travail actuellement en parallèle, eh bien entendu, ce travail-là, vous avez des horaires, vous ne pouvez pas les modifier. Eh bien, ce temps-là, vous allez devoir le noter dans votre agenda et ça, il est incompressible, vous ne pouvez pas le changer. Les activités, par exemple, de vos enfants, bah, vos loisirs, etc., vous n'allez pas pouvoir les changer, donc vous les notez. Et ensuite, vous allez insérer dans votre planning votre temps, donc le temps productif, donc dans les tâches que vous aurez notées. Votre temps productif doit se passer dans les moments en journée, au moment où vous pouvez les faire, et le temps improductif, les tâches improductives, sur des créneaux horaires que vous allez pouvoir, bah, par exemple en vous levant 1 heure plus tôt le matin, en vous couchant 1 heure plus tard le soir, par exemple, si vous n'avez pas ce temps-là à d'autres moments. Il y a peut-être des choses que vous pouvez faire, ah, vous ne direz pas que je vous l'ai dit, mais bon, au travail par exemple, il y a des gens qui bossent dans les endroits où ça nécessite beaucoup de présence, mais il n'y a pas forcément de choses à faire, peut-être que c'est des choses que vous pouvez faire dans des moments où c'est sûr que vous n'allez pas faire des appels clients ou des appels de prospection quand vous êtes au boulot, ça se fait pas trop. Par contre, peut-être créer un flyer, travailler sur votre site internet ou travailler sur une offre, machin, vous pouvez le faire. Parce qu'effectivement, vous pouvez être dérangé à tout moment, c'est votre priorité, c'est votre travail, donc vous ne pouvez pas être en train de passer un coup de fil ou voilà, faire des choses qui nécessitent un temps, vous êtes concentré à fond dessus, mais par contre, il y a peut-être des petites choses que vous pouvez faire à ces moments-là. Donc ça, c'est vraiment les points importants, ce travail entre temps productif, temps improductif, notez, divisez une feuille en deux et notez votre temps, vos tâches productives, vos tâches improductives et commencez à travailler sur le planning, on y reviendra dans une prochaine vidéo par rapport à la gestion, cette fois-ci, de votre emploi du temps. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!